Je regarde si personne m'a suivi. Je reviens de la purge, les mecs. Un truc de ouf. J'y étais toute la nuit. C'était le zbeul. C'était le zbeul, un truc de malade, mon gars. J'ai volé ça. T'as volé quoi, toi? Qu'est-ce que t'as volé, toi? Dis-moi, qu'est-ce que t'as volé? Rien. Fais pas le ouf avec moi, mec. Moi, j'ai volé ça. Une balayette, mon gars. Eh ouais, je peux te dire. J'y étais, moi, la pure. Je l'ai faite. Non, mais sérieux, les mecs. Je vous explique l'histoire. Hier ou avant-hier, je sais plus. On était en live avec mon pote, tranquille. Et on jouait. Il y a un mec qui déboule de nulle part, mon gars. Ouais, il déboule de nulle part dans les commentaires. Il fait oui, j'ai peur, ça va être la purge chez moi. Nous, qu'est-ce qu'on fait, la purge? La purge, mais t'es malade, mon gars. Quelle purge? La purge, faut savoir que c'est un film, hein. C'est American Nightmare 1 et il y a le 2 également. Voilà. D'ailleurs, c'est deux très bons films, je vous le conseille. C'est une fiction. Et franchement, c'est des films, ils déchirent. Bref, le mec, il arrive de nulle part. Et nous, on dit, bah, la purge. Mais t'es malade, toi, t'as trop regardé la télé, mon gars. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que je fais ce matin? Je me lève pas sur Twitter. Non, c'était pas ce matin, c'était hier soir déjà. Voilà, hier, ça commence à en parler. Je me lève, mon vieux, je vais sur Twitter. Je vois quoi? Je scroll sur mon téléphone. Tiens, il y a Google qui s'est foutu en route, mon vieux. Je scroll sur mon téléphone. Je vois des vidéos, mon gars. La purge est en route. Non, mais les mecs, ils sont crus dans le Bronx. C'est un truc de fou. Ils ont cru que c'était le Bronx. Bref, ça en parle partout sur les réseaux sociaux. C'est la débandade, mon vieux. La purge. Il y en a, les mecs, c'est votre cerveau qu'il faut purger. Rien d'autre. Eh hein. Hey, frère, on va faire la purge. Vas-y, go, mon gars. Mais ça va pas dans ta petite tête, mon vieux? Tu réfléchis un petit peu? Tu fais la purge, pourquoi? Pourquoi tu fais la purge? Il se passe quoi dans ta petite tête pour faire la purge? Je veux dire... T'as décidé de protester contre quoi? Tu veux faire avancer quoi? Reculer quoi? Dis-nous! Oui, les cigarettes, ils ont monté, l'essence, elle a monté, ils veulent augmenter mon paquet de farine, alors moi, je vais purger! Non, mais les mecs, je vous le dis direct, hein, tous ceux qui ont participé à cette pseudo-purge... Hein, non, parce que, attendez, faut savoir que cette purge, c'est pas la première, hein, faut arrêter, hein, y a eu des purges bien pires que ça, hein. La dernière, elle remonte pas loin, c'était cet été pour la victoire de la Coupe du Monde. Je peux vous dire qu'il y a eu bien plus de zbeul que ça, et il y a eu bien plus de blessés et que de casse que ça. Ça, c'était une purge, mon vieux. Là, c'est du pipi de chien, je veux dire. C'est 3-4 pecnos, 2-3 moutons qui ont décidé de se réunir à l'arrêt de bus en bas de chez eux et puis casser des poubelles et tout ce qui bouge, quoi. Mais dans quel but? Parce que c'est ça qu'on cherche à savoir. C'est ça qu'on veut comprendre. Je veux dire, mec, toi, si tu me regardes, si tu as participé à la purge, que ton délire, c'était par exemple de faire reculer l'État, de les faire chier. Mais ça va pas dans ta petite tête, mon gars. Je veux dire, ils vont te regarder, ils vont rigoler, mon gars. Ils vont te rigoler au nez, mon gars. Tu fais rien reculer du tout, tu bloques rien, tu fais que dalle. Ouais, mais toi, Jolotte, tu fais quoi pour faire avancer les choses? Tu vois pas que l'État, il nous baise, il monte l'essence, la farine, les cigarettes, les ceci, les cela. Alors certes, je fais peut-être pas grand-chose pour faire avancer ou faire reculer les choses, mais en tout cas, une chose que je suis certain... C'est que c'est pas la bonne solution, celle-là. Ça, c'est sûr. Parce qu'attendez, les mecs qui ont pété des bus, des arrêts de bus, qui brûlent des poubelles, qui coupent des poteaux à la disqueuse. Ouais, non, mais parce que je vous jure, cette nuit, il y a des mecs, il y a des vidéos, on va peut-être y arriver, là. Il y a des mecs, ils ont coupé des poteaux à la disqueuse, gros. Juste comme ça, je te pose la question, tu crois que c'est qui va payer tous ces dégâts? Ouais, bah c'est bien, ça fera chier l'État, ça leur fera les pattes. Et tu crois qu'il a sort d'où son argent, l'État? Ah, ça y est, tu commences à comprendre, mon gars. Eh ouais, c'est toi qui payes, c'est tes parents qui payent. Parfait, tu vas casser les bus de ta ville, tu vas casser les arrêts de bus, brûler les poubelles, péter les boîtes aux lettres de ton hall de bâtiment. Nickel, ok, tes loyers, ils vont augmenter, tes impôts, ils vont augmenter, tes taxes, ils vont augmenter pour pouvoir rembourser tout ça. Tu vas payer encore plus, tes parents vont payer encore plus. Je vais faire la purge. Ah ouais? Et demain, tu vas dire quoi à ta daronne quand elle va se lever, qu'elle va aller te chercher à bouffer à pied, qu'elle aura pas de bus? Hein? Tu vas lui dire, il est passé où le bus? Non mais les gars, vous réfléchissez un peu? Oh là là, bref, purge cette nuit en France. Attention, image choquante. Attention, mon gars. Si t'es choqué, quitte tout de suite la vidéo, je te préviens. Tu vas avoir des moutons tapés sur des trucs, mon gars, tu risques d'en faire des cauchemars. Allez, analysons ça ensemble, va. Regarde ça, voilà, c'est bien, vas-y, casse ton arrêt de bus, mon gars. C'est bien, tu vas le payer dans tes loyers, dans tes taxes, tu vas le payer partout. Regarde le bus. Même pas le métis, il s'arrête, t'as vu? Ta gueule. L'autre qui filme, il est chaud, mon vieux. Voilà, c'est bien, les gars, bravo, les gars. Ah là, tu fais avancer la France, hein.
Là, tu fais avancer les choses, mon gars, je te le dis. Hein. Et l'autre qui rigole derrière. Ok, d'accord. Non, c'est bien, les gars. Voilà, des images choquantes de la purge. Alors, attention, par contre, il y a des trucs à prendre avec des pincettes. C'est que tu vois, là, les gars, mais vous pouvez en être sûr, c'est sûr et certain qu'il y a trop de monde qui vont ressortir des vieux dossiers. Voilà. Va y avoir des vieux dossiers qui vont ressortir sur les réseaux. Ça va être sûr. Et ils vont te dire, oui, c'est des images de la purge. Tout ça pour encore faire de la propagande pour la haine et tout. Répandre sa rage. Regarde ça. Regarde ça, mon gars. Voilà. Voilà. Vas-y. Vas-y, fais le feu. On fait un petit barbecue et tout, tranquille, au milieu de la rue. Ouais, c'est bien, les gars. C'est bien. Ah oui, c'est magnifique. Regarde, l'autre, il purge. Il sait même pas ce qu'il purge, mon gars. Il sait pas ce qu'il purge, le mec. Il sait pas pourquoi il fait ça. Il en sait rien. Je vous explique de quoi c'est parti. En fait, à la base, c'est un mec comme ça. Il a voulu mettre un message sur les réseaux sociaux. Et il a dit, venez les gars, on fait une purge. À la base, c'était une purge contre les policiers, tout simplement. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Regarde ça, mon gars. Mais c'est n'importe quoi, sérieux. Ah, tu te rends, hein. Bah ouais, tu te rends, mon gars. Ah, ça te fait les pattes un petit peu. Hein. Bref, le mec, il a lancé un petit message sur les réseaux sociaux. Mais même lui, franchement, je suis sûr, même lui, il y croyait pas, tu vois ce que je veux dire. Il pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils ont vu le message. Il a dit, oui, je lance un appel à la purge, machin, avec un message bourré de fautes d'orthographe, mon vieux. Même toi, tu aurais pas cru. Personne y croyait, tu vois. Il a lancé son message. Il a été relayé par je ne sais combien de moutons. Et un mouton, dès que ça entend un son de clochette, qu'est-ce que ça fait? Oh, gars, ouais, j'aurais bien aimé qu'il rentre dedans. J'aurais bien aimé qu'il rentre dedans, mon gars. Hein? Ah, ça t'aurait fait le cul, ça, mon gars, ouais. Bref, et un mouton, qu'est-ce que ça fait quand ça entend un bruit de clochette? Qu'est-ce que ça fait? Bah, vous le savez, je pense. Ça relève la tête, le museau droit devant et la truffe en regardant bien vers la clochette. Et ça avance. Pourquoi? Ils savent pas, mais ça avance. Des fois, ils savent même pas comment ils avancent, hein, je veux dire. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est ça. C'est que le message du mec, il a été relayé sur les réseaux. Ça a été repris, ça a pris une ampleur et tout, mais... un truc de ouf, quoi, en fait. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des mecs qui sont sortis. Voilà, ils ont fait la purge, quoi. La purge. Alors, attention, les mecs. Hein. C'est pas American Nightmare, hein. Je veux dire. Non, il n'y a pas des gens qui sortent avec des haches ou quoi. Enfin, en tout cas, voilà, on voit pas ça, quoi. C'est juste qu'il y a 2-3 mecs qui se sont crus dans le Bronx. Ils ont fait un petit rassemblement de troupeaux de moutons. Et puis, ils se sont mis bien, tranquillement. Ils ont bêlé de leur côté. Ils ont brouté un peu de goudron. Et puis, c'est tout. Hein. Pas plus, hein. Je veux dire, comme je vous dis... La dernière purge qui remonte, c'est pas la première purge. Hein. La dernière, c'était la victoire de la Coupe du Monde en 2018, il y a quelques mois. Là, c'était bien plus le bordel. Il y a eu bien plus de casques que ça, bien plus de blessés, tu vois. Voilà, là, c'est juste qu'ils ont lancé un hashtag purge, mais ils auraient pu appeler ça hashtag Coupe du Monde 2018, c'était la même. Hein. Sauf que, bien sûr, il y a beaucoup moins de bordel pendant la purge que pendant la Coupe du Monde. Alors, attention aussi aux fake news qui traînent sur les réseaux et tout. Hein. Très attention à ça. Alors là, par contre, voyez... Oui, allez! Et allez, mon gars! Et tiens! Ah, arrêtez, c'est bon, j'ai rien fait, arrêtez! Hein? Après, ça va faire des marches blanches parce que ça s'est pris une matraque dans le trou du cul ou quoi? Ah bah, tu pourras toujours faire ta marche blanche, au pire, mon vieux, tu la feras en canard et puis c'est tout, hein. Alors, attention, je veux dire, regardez, on voit ces images, cette vidéo, elle me dit quelque chose. Elle me dit quelque chose, cette vidéo, et je crois que c'est une vieille vidéo, déjà. Comme quoi, vous voyez, il y en a qui essayent de faire passer ça pour la purge. Je vous l'ai dit, va y avoir des vieux dossiers qui vont sortir, c'est sûr et certain. Voilà, tout ça pourquoi? Regardez, regardez bien les gars ce qui se passe. C'est que l'État, ils essayent de nous diviser. Eh ouais mon gars, diviser pour mieux régner. Toutes ces histoires de purge, ça divise les gens, ça divise tout le monde. Abonnez-vous, oui, bah si tu veux, je te laisserai même un like. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un petit like sous cette vidéo, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi. Bref, voilà cette histoire de purge les mecs, c'est complètement... C'est complètement de la merde. Réveillez-vous. Pour ceux qui participent à des trucs comme ça, mais arrêtez, ne foncez pas comme des moutons tête baissée. Voyez au moins pourquoi vous participez, je veux dire. Sachez-le, faites des choses pour la bonne cause. Mais ça, c'est pas des trucs pour la bonne cause. Ça va faire avancer quoi d'aller faire chier le mec, d'aller brûler sa bagnole, d'aller piller son magasin aux gens qui travaillent et qui galèrent? C'est pas l'État qui vont rembourser tout ça. Enfin, si, c'est l'État. Mais l'État, c'est toi qui vas le payer, mon gars. Eh ouais, tu vas le payer dans les assurances, les taxes.
Tu vas payer de partout. C'est toi qui vas rembourser les dégâts. C'est tes parents, c'est tous tes proches. Et ça, il y en a, ils s'en rendent pas compte. Ils sont omnibulés dans leur cerveau, je sais pas à quoi ils pensent. Ils purgent. C'est votre tête qu'il faut purger, les gars. Moi, je veux te dire, si tu veux bien faire chier l'État, c'est pas une petite purge comme ça qui va les faire chier, mon gars. Non, non, ils vont te rigoler au nez, là. Tu veux faire chier l'État, tu fais un putain de blocus dans toute la France, mon vieux. Alors, je sais que ça paraît irréaliste, ce que je dis. Mais tu veux vraiment les faire chier, tu fais un putain de blocus dans toute la France. T'as pas besoin de casser quoi que ce soit et tout, c'est pas comme ça que tu vas les faire chier. Tu n'achètes rien, mon vieux, tu consommes rien. Que dalle. Tu restes chez toi, au pire, tu fais des provisions pour un mois entier et tout. Et tu consommes que dalle. Tu n'achètes rien du tout en France, mon vieux. Là, tu vas faire chier l'État. Mais par contre, faut pas faire ça une journée. Une journée. Ils vont rigoler, mon gars. Ça va rien faire du tout. Faudrait faire ça pendant des semaines, voire des mois, tu vois. Mais je sais très bien que c'est surréaliste ce que je dis, tu vois. On peut pas se permettre de ne pas consommer en France, tu vois. T'auras toujours besoin de quelque chose ou quoi. Mais si tu veux vraiment les faire chier, eh ben tu fais ça, mon vieux. T'achètes plus rien. Tu te déplaces plus avec ta bagnole. T'achètes plus d'essence. T'achètes plus de clopes. Tu consommes rien en France. Là, tu vas faire chier l'État, mon vieux. Et là, ça va foutre la merde. Mais c'est pas ta purge à 2,50 francs, là. Non, là, tu feras rien du tout. Tu consommes plus, c'est simple. Ça va être quoi, les conséquences? T'arrêtes de faire tourner l'économie du pays. Tu fais plus rentrer d'argent dans l'État. Là, tu vas les mettre dans la merde. Et là, ils auront pas le choix de se bouger le cul pour faire quelque chose. Mais ta purge, tout le monde s'en bat les steaks, mon vieux. Ah, ça, c'est clair que tu vas en faire chier du monde. C'est sûr et certain. Mais tu vas pas faire chier les bonnes personnes. Ça aussi, c'est sûr et certain. Bon, bref, les gars, les filles, moi, je vous laisse là-dessus. Oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous laisse. Je retourne purger, mon gars. Allez, ciao.